Pour nous, travailler avec Exception, outre l'aspect professionnel de l'agence qui n'est plus à démontrer depuis le nombre d'années, c'est l'aspect humain et relationnel qui nous semble le plus important. Eh bien alors voilà, nous sommes ici chez cet endroit magique. On fait des cours de cuisine, des événements et bien sûr on travaille avec Exception surtout pour les assistants. On a besoin d'une très très grande flexibilité, on a besoin d'avoir des gens en qui on a totale confiance et ça marche très bien. Cela fait à peu près 15 ans que je travaille avec Exception, qui est une agence très positive et dynamique. Même si parfois je leur envoie des briefings incomplets ou écrits rapidement, leurs réponses sont toujours adéquates. C'est-à-dire qu'ils ont une telle expérience du terrain qu'ils vous envoient la bonne personne pour le bon événement. Nos clients, s'il est budgété deux ou trois hôtesses, ils doivent avoir ces deux ou trois hôtesses qui arrivent à l'heure, qui ont le sourire, qui sont proactives. Et donc, je dirais, le soutien qu'on a, le back-office, entre guillemets, qu'on a au sein d'Exception, est pour moi également une des raisons pour laquelle je continue à travailler avec Exception depuis 17 ans. Exception existe depuis 1987. Cette expérience fait que nous pouvons vous aider pour les préparations de votre événement. C'est-à-dire qu'en briefing, nous pouvons être présentes pour vous conseiller combien de personnes vous avez besoin, où vous pourriez les mettre, ce que vous pouvez en faire exactement, et ainsi de faire avec vous, ensemble, un événement réussi. Je suis italienne, ça fait un an que je suis à Bruxelles et je suis partie pour faire mes études. J'étudie à Solvay, j'adore le sport, j'ai fait 13 ans de volleyball, j'adore la mer énormément. Je fais mes études d'économie pour pouvoir après faire biologie marine et vraiment passer ma vie au-dessus de la mer. J'ai fait un baccalauréat marketing à l'EFEC, donc ici à Woluwe. Je suis passionnée par les animaux, mais en particulier les chiens. Donc ça a toujours été ma passion depuis toute petite. Quand je travaille chez Exception, comment ça se passe? Donc tout d'abord, on nous appelle pour voir si on est disponible pour des événements. Donc soit c'est par appel, soit c'est grâce à Facebook. Donc une fois qu'on est disponible, on nous met sur l'action et grâce au programme qu'ils ont, on peut retrouver nos contrats, on les imprime et on va sur l'événement. Je me présente, donc moi c'est Samy Lucas, j'ai 23 ans, j'ai fait des études d'éducation physique. Je suis pilote automobile, donc j'ai commencé en karting quand j'étais jeune à l'âge de 10 ans. Je suis devenu champion de Belgique, champion d'Europe, gagné des grosses courses. Je roule pour gagner ma vie, voilà, je fais ça depuis que je suis petit, donc je suis très heureux et je sais que je ne suis pas à plaindre par rapport à d'autres personnes dans le monde. Étant moi-même une ancienne hôtesse d'Exception, je sais comment ça fonctionne sur le terrain et donc je peux briefer les équipes en conséquence. De plus, je connais les personnalités et les caractères de nos équipes, donc je sais quelle hôtesse mettre sur quel événement pour satisfaire au mieux les clients. Quand on reçoit une demande d'un de nos clients, nous envoyons une offre de prix en dehors les 48 heures. Des validations de celle-ci, on commence nos recherches qui sont principalement sur base des connaissances linguistiques. Donc à ce niveau-là, les équipes sont tout le temps testées, donc il n'y a pas de souci. Une fois l'action bookée, nous envoyons un planning détaillé reprenant les coordonnées, numéro de GSM et nom, ainsi que les fiches casting de nos équipes aux clients. Comme ça, il sait exactement avec qui il va travailler. Et alors, après l'action, nous demandons un petit feedback afin de pouvoir mettre à jour notre base de données et nos fiches et pourra nous améliorer continuellement. J'ai fait pas mal d'événements et tous les événements étaient différents. C'était avec d'autres personnes, c'était dans d'autres endroits, donc les lieux étaient vraiment toujours différents. C'était vraiment très agréable parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre aussi parfois des personnalités. Sur des événements, j'ai rencontré quelques personnalités et c'est toujours très excitant de travailler dans cette ambiance, dans cette dynamique.
voilà, j'ai jamais connu mon papa en fait, et j'ai toujours vécu de manière heureuse, entourée par l'ensemble de ma famille et de mes amis. Et je pars du principe qu'on n'est pas obligé automatiquement d'avoir deux parents pour être heureux plus tard. Mon but plus tard, ce serait d'ouvrir un orphelinat. J'adore voyager, et voilà, chaque matin je me lève dans le but d'œuvrer pour cet objectif. Quelqu'un qui est très sociable, quelqu'un qui aime bien les défis à relever, le travail, les nouvelles approches vers des nouvelles choses. Quand j'étais en Égypte, il y avait une soirée karaoké. Et là, j'étais encore très jeune, j'avais moins de 16 ans. Et là, j'ai chanté sur scène une chanson d'Isabelle Boulay. Et j'ai gagné le premier prix pour mon âge. J'ai gagné une petite bouteille de champagne et tout. Donc c'était assez sympa comme première expérience de chanson. Donc j'ai choisi Exception parce que voilà, c'est la première agence dans laquelle en fait je me suis inscrite, que j'ai toujours eu un bon feeling donc avec toutes les personnes en fait dans l'agence et qu'ils ont vraiment de très chouettes événements. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un contact avec tout le monde au bureau, les stagiaires, le responsable terrain. Si on a un souci, elles sont là pour nous. Si on a une question, un problème, ben, elles sont tout le temps là. Je suis passionnée de judo, j'en fais depuis 17 ans et je suis ceinture marron, j'espère bientôt passer ceinture noire. Moi je joue sur le fait que je suis blonde, donc il n'y a pas de souci. Quand on me dit quelque chose, une critique ou quoi, je fais « ouais, je suis blonde, c'est normal ». Il faut encore que je me fasse un peu d'expérience pour trouver ce que je veux vraiment faire, enfin, vers quelle société, vers quel type de société je veux me diriger, quel type d'activité, mais je veux vraiment créer ma société. J'ai été en Thaïlande faire du bénévolat pendant un mois et demi et c'était vraiment une expérience géniale. Dans un orphelinat au centre de la Thaïlande à 150 km au nord de Bangkok. Et voilà, donc tous les matins je me réveillais, j'allais dans cette école, je restais avec les enfants. Je sais même pas comment expliquer, ils donnent tellement que c'est un plaisir, on peut même pas appeler ça travailler, c'est un plaisir de se lever chaque matin pour leur donner un peu de bonheur. Mais je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans, je viens de Willebroek et je travaille chez Exception depuis 3 ans déjà. J'aime les vêtements, la musique, la nourriture et la lecture. Et la peinture, la couture, la voiture, etc.